Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Donc aujourd'hui on est reparti pour notre deuxième vidéo pour Encaillot, donc Freeze dans l'héroïque. J'ai juste changé de place par rapport à la dernière fois pour aller enregistrer le zap à ce truc parce que je ne l'avais pas enregistré et je pense que c'est une des meilleures solutions. Et on est parti. Donc d'après ce qu'on m'a dit, il faudrait que pour dropper des items BR ou des choses comme ça, il faudrait que je me déplace plus vers les bouffe-tout et même pas les bouffe-tout de guerre. Sachant que les bouffe-tout de guerre, peut-être que je ne les gère pas. Je regarde juste, c'est quand que j'ai mon chaton, c'est au niveau 42, donc on oublie la possibilité de jouer full chaton. Donc tout simplement, on va aller voir ce qu'on va faire et je rappelle vite fait le stuff de l'Eka Flip, de Frizette, notre petit Eka Flip, un stuff tout à fait noob en piou tricoloré. Il est très disco notre Eka Flip. Alors bon, on m'avait parlé aussi d'une chose dans les vidéos, c'était bon, on m'a donné pas mal de conseils surtout sur le cadio. Sinon on m'avait donné le conseil de couper les vidéos pour que je sois stuffé, que je monte mes niveaux. En fait non, je vais pas faire ça, c'est une aventure suivie, donc en fait je vais continuer mes vidéos comme ça dès le déroulement pour que vous voyez ce que je fais 24 heures sur 24, à moins que je fasse une session vachement longue, je ne sais pas encore comment on va faire. Sinon on m'avait demandé de faire une aventure suivie à deux. Donc je pense en fait que je vais faire cette aventure suivie tout seul, parce que tout seul, je ne suis pas une femelle encore, autant que je sache. Et ensuite on ira faire ça, c'est inutile. Hop. Et ensuite je pense qu'une fois que je serai mort, pourquoi pas faire une aventure à plusieurs personnes. C'est une idée qui serait pas mal. Donc là je cherche des. J'essaye de me déplacer parce que. Ah voilà, donc à partir de là, faut que je remonte. Sinon j'avais pensé à aller XP au pichon, mais XP au pichon en fait ça me permet pas de drop. Tiens, un tournesol sauvage, on va aller le faire. Lui des fois il peut dropper des items aventuriers. Ça pourrait être pas mal aussi. Hop, voilà. Donc déjà le chat il est foiré. Il est foiré. Et il tape du moins 8. Donc on fait perception et on fait bluff. La technique comme d'hab. Hein. Ça n'a pas changé. Donc est-ce qu'on peut faire un bluff puis un bon? Parfait, comme ça on peut se barrer en courant du tournesol sauvage, sachant qu'il y a 4 thèmes, il me rattrapera toujours, mais bon, c'est pas très grave. Je suis bien parti pour le battre. Voilà, il est à 58 PDV. Faut espérer du moins. On tape du moins 9. Ça va le faire, allez, allez, ça va le faire. Allez, allez, ça va le faire. Faut pas mourir. Hein. Face à un tournesol sauvage, c'est quand même la honte. Il a 48 PDV. Ah ben, j'ai pas passé mon tour. C'est un combat épique contre un tournesol et un Eka Flip. Oh. Oh. Échec critique. Bon, je préfère faire un échec critique avec bon qu'un échec critique sur bleu. Voilà. Et allez, cours, petit Eka Flip. Ah oui, on rappelle vite fait mon level. On est level 7. Oh. Et normalement, là, je vais pouvoir le finir. Une petite perception et un petit bluff. Voilà. Et on drop quoi? On drop rien du tout. Par contre, l'XP est pas mal. 3000 XP. Je ne sais toujours pas mon Eka Flip, je mets quel élément. Franchement, je sais pas du tout. Bluff, ça me dit bien, mais ça me dit pas en fait. Ça me dit sans me dire. Ça d'ailleurs, je vais vous demander, tiens. Mon Eka Flip, je fais quel élément? Je le fais R en panneau aventurier et après je vais au donjon des champs pour dropper des taudis, des capteaux foufou. Ou je le fais feu ou terre avec une panneau BR. Ça, c'est la question du jour. Donnez-moi votre avis. Et après je verrai bien. Je pense que moi je vais plus le axer R bon, pour changer un peu des Eka Flip terre tout simplement. Donc là on est encore face à des petits tournesols. Voilà. On va le taper. Le challenge c'était quoi? Faire toujours la même attaque. Ouais mais non. Voilà quoi, vous avez compris, c'est pas très intéressant de faire les challenges, surtout à mon niveau. Il vaut mieux que je gagne et que je ne perde pas que essayer de faire les challenges et perdre comme une vieille.
un vieux caca. Parce qu'il faut quand même que j'essaye de faire durer l'aventure le plus longtemps possible, même s'il y en a qui aimeraient qu'elle se finisse le plus vite pour pouvoir la faire avec moi. Mais bon, j'ai essayé de pas faire trop le loup, sachant que l'aventure, comme je disais, j'avais essayé de la faire, mais que j'avais perdu lamentablement. Sinon, on était parti avec, bon, ceux qui connaissent la chaîne, j'avais fait avec mon coéquipier Freeze, donc de ma chaîne, un ami IRL, on était parti pour aller jouer sur le serveur héroïque, et j'ai galéré à monter un roublard, c'était affreux, je suis mort 4 fois, pour atteindre le level 9. C'était horrible. C'était tout simplement horrible. Bon, alors là, on est au champ, et je trouve que ça pèse bien quand même. Hein. Pour 2 combats, on prend un level. C'est plutôt pas mal. Un petit chanchant. Ouais, est-ce qu'il me permettrait de payer? On va voir ça. On va attaquer le chanchant. Je pense que une fois qu'on aura fait le chanchant, on va EP. Belle streak. Non, mais en plus, ils me mettent des challenges impossibles à faire, quoi. C'est affreux. Ils sont pas humains. En même temps, c'est des champignons, quoi. Alors, hop, voilà. Ah bah on commence à taper fort parce que là ça me faisait peur la dernière fois quand j'avais fait du moins 1 avec Bluff. Je pense que Bluff c'est pas mal, surtout que bah R ça serait vraiment pas mal. Surtout avoir une panneau aventure, ça serait pas mal, vu que c'est R et O, Bluff ça tape R et O dans un de chacun des éléments. Franchement moi je suis plus pour R. Sachant que j'ai pas EP, oh là là, c'est la merde. Je crois que les paliers R de Ekaflip ils sont vraiment pourris par contre. Palier R. Ouais, allez, on met R. Non, j'attends votre avis. Comme ça, au moins, je ferai pas de bêtises. En même temps, vous pouvez participer en même temps avec moi à l'aventure. Comme ça vous met dedans. Vous êtes, oh, je participe à l'aventure. Oh. Alors là, sachant qu'on est toujours en piou carrément, carrément c'est nul le piou. On se moquait de moi. C'est pas gentil, on fait avec les moyens. De toute façon, on a tous galéré avant de devenir des PGM. Bon, il y en a qui ont toujours galéré et qui galèrent toujours d'ailleurs. Alors, le petit mosquito, voilà, on la voit shooter, et du coup, là, on va EP, là. Là, ça va être bien, on va être bien, on va être bon. Et on va essayer au moins d'atteindre le level 10 avant la fin de cette session. Hop. Je le tourne le dimanche même où vous allez voir la vidéo, d'ailleurs, la vidéo, parce que... Ouais bah non, le dimanche même, non, je vous le tourne après l'épisode 1 si vous voulez savoir, et l'épisode 3 je vais le tourner que dans 2 semaines parce que bon c'est un truc pas possible quoi, je m'organise comme je peux, hein. Alors là on drop beaucoup de ressources, je sais pas du tout si on peut crafter des items avec ça, level 9 ça c'est bien ça, est-ce qu'on peut 28 km moi. Est-ce qu'on peut crafter des items avec ça? On peut faire un taudis, mais taudis, ça revient cher, non, mais ça revient dur à faire. Bon, ben, on verra bien, on va avancer petit à petit. On va aller vers les bouffe-tout. Et là, je suis à 22%. C'est pas mal, on avance bien. Un petit bouffe-tout tout seul. Si je l'attaque, celui-là, est-ce que j'ai des chances de dropper des items bouffe-tout? Je sais pas, on va voir. Des streaks encore, mais ouais. Ils sont vraiment pas gentils, hein. Hop. Est-ce qu'au pire, si vous me dites après de passer R, des items bouffe-tout, je peux toujours les revendre. Je pense que ça, bon, ça vaut assez cher, non, ça doit valoir 1000 kama, mais c'est toujours ça, quoi. Toujours ça de pris dans les caisses pour l'aventure. Hop, et le petit bouffetou, il est mort. Non, je ne chanterai pas la petite chanson de petit bouffetou comme la dernière fois. Hein? C'est bon.
Je me casse autant les oreilles quand je regarde la vidéo après. Je vous fais souffrir psychologiquement. J'adore ça. Donc on n'a rien droppé et en plus on pex de la merde. On a pris à 25% face à un petit bouffe-tout. On va aller s'attaquer à beaucoup plus gros. Oula, un bouffe-tout à 4000 XP. C'est un Warzazat lui. Ah ok, c'est un bouffe-tout à 4 PM quoi. Et on va essayer de s'éloigner un maximum de lui. Voilà. On a contre-coup, tiens, on vient d'avoir contre-coup. Ça, c'est bien ça. Ça va me permettre de durer un tour de plus, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est toujours intéressant. Bon, par contre, si il tape fort quand même. Hein. Moins 25, t'as de... Hop. Et là, on s'en sortira.